on travaille avec les mains, hein, c'est de l'artisanat. On touche le patient, on arrive avec le bout des doigts à comprendre le corps, à analyser le corps. Quand j'ai commencé, il y avait encore beaucoup d'amputés parce qu'on était après-guerre, ainsi de suite. Oui, donc les pathologies ont quand même évolué. Avant, on faisait beaucoup de travaux dans le jardin, de travaux à la campagne, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes devenus des citadins et le corps, peut-être, ne travaille plus comme il le faisait avant. Jacques a découvert cette profession de kinésithérapeute par la force des choses, avec sa mère qui, à 38 ans, devient hémiplégique. Lui qui ne savait quoi faire de sa jeunesse se lance dans les études en 1969. J'ai eu des difficultés pour entrer, puisque c'était des études payantes. Et il m'a fallu attendre un an. Les revenus de mes parents n'étaient pas suffisants. Et je m'étais promis de faire en sorte qu'il y ait un institut public à Limoges. Et avec des collègues, on a réussi enfin à créer un institut de formation au métier de la rééducation, ce qu'on appelle l'IFOMER, qui est attaché à l'université ici à Limoges. Mais il a fallu une génération pour y arriver, 40 ans. Mais c'était un des combats de ma vie professionnelle. Jacques a trouvé sa voie. Il aime son métier et il va le faire évoluer en devenant un des pionniers de l'ostéopathie. On prenait sur nos temps de week-end, samedi et dimanche, pour aller apprendre. Et on appliquait aussitôt ça le lundi matin en cabinet. Et lorsque je suis devenu à mon tour enseignant en ostéopathie, je dispensais ce savoir et cette pratique dans toute la France. Hein, je partais avec le matériel, j'étais le forain de la formation. Il parcourt la France pour enseigner l'ostéopathie. Il s'engage pour structurer cette nouvelle méthode de soins, la professionnaliser. À Limoges, avec des collègues, il fondera une école, une autre, cette fois d'ostéopathie. Et comme il n'est pas à court d'idées, il sera aussi le cofondateur du premier cabinet de kiné en Haute-Vienne. On avait compris qu'il fallait s'unir pour mieux travailler et puis profiter aussi. On s'occupait beaucoup de sport les week-ends, hein, on encadrait des équipes. Je me suis occupé d'équipes là, locales, le défunt Limoges FC quand ils étaient pros. Je m'étais occupé également de l'USAL en rugby. Sur le terrain, moi j'ai appris beaucoup. Hein. Une épaule qui se luxait, un doigt qui était luxé, ben, on passait pas en radiologie, hein. On se débrouillait pour remettre ça tranquillement sur le terrain, hein, voilà. Lors des réductions, je fais un aparté. Hein, c'était que du bonheur pendant 40 ans. Je vous dis l'amour que mes patients m'ont amené, hein, ils m'ont amené, vraiment, ils m'ont aidé à me construire, cette générosité qu'ils avaient. J'ai vu des gens très humbles, j'ai vu des gens dans la souffrance, ne pas pleurer. Ça m'a vraiment aidé à me construire et je les en remercie.